Que Bénédicte Chollet-Collet, enseignante en génie alimentaire au lycée agricole des Sardières de Bourg-en-Bresse. Voilà, donc je suis également référente régionale enseignée à produire autrement. Donc c'était découvrir l'alimentation durable et notamment comment mettre en place Egalim dans notre établissement et également porter par rapport à ma casquette de référente, la partie alimentation dans toutes les autres actions des autres établissements agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu plusieurs pépites, mais la découverte déjà de l'aspect de la loi Egalim plus en détail, l'application sur la cantine en tant que telle, avec notamment les intervenants et les autres collègues qui participent à cette formation. Et du coup, beaucoup d'échanges avec des casquettes différentes d'enseignants, de partenaires du territoire. Voilà, donc ça, c'était très riche. Donc l'utilisation du plan alimentation durable en établissement sur notre établissement justement pour valoriser la mise en place de Egalim et puis également l'interaction avec les apprenants notamment sur certaines formations en agroalimentaire, donc que ce soit les niveaux secondes ou les BTS, voilà, pour appliquer et mettre en avant les principes de la loi Egalim dans la cantine de notre établissement et les faire porter sur des projets à mettre en place avec eux.